Bien, mesdames, messieurs, bonjour, merci de nous avoir rejoints dans cette superbe salle que je ne connaissais pas, qui est vraiment extraordinaire. Je me présente rapidement, Emmanuel Cuny, je suis donc journaliste chroniqueur à France Info, où j'ai une chronique économique quotidienne et j'ai un débat économique également le dimanche soir, 17h40, puis repris à France Info TV à 22h. Et je suis par ailleurs président de l'AGEF, qui est l'Association des journalistes économiques et financiers, qui regroupe en gros 150 journalistes, donc de la presse à la fois audiovisuelle, écrite, web, économie et finance. C'est l'une des plus anciennes associations de journalistes en France. Et l'AGEF est très fière et très honorée de participer, enfin, d'être partenaire des GECO, et en l'occurrence de cette conférence. Alors, quelle formation contre la désinformation? Voilà une belle problématique qui nous plonge directement dans l'actualité. C'est vrai que la distillation de rumeurs, la manipulation des faits, les mensonges partisans envahissent les réseaux sociaux. Alors il y a Twitter, il y a tous les autres que l'on connaît, au point d'être d'ailleurs un véritable danger pour la démocratie, en tronquant l'information et le débat sur le fond en tant que tel. Alors la sphère politique est l'une des cibles privilégiées de ces bobards, on va dire. On pourra parler de la sémantique, du vocabulaire tout à l'heure pour qualifier les fake news. Mais l'économie, la sphère économique l'est aussi de plus en plus, d'ailleurs, et pour une raison très simple. Les données économiques sont plus que d'autres, on va dire, dans bien des cas, difficiles à comprendre, et ce qui représente un terreau fertile, finalement, pour les fake news. Alors l'esprit critique, aujourd'hui, eh bien, s'est transformé en un esprit de, on va dire, de vérité contraire, de défiance même à la chose, de la chose qui est pourtant prouvée. Et ça peut faire évidemment des ravages sur le plan économique et financier, puisque là nous parlons économie, on va élargir un petit peu le propos bien sûr, mais c'est vrai que le mensonge ou la mésinformation volontaire pour déstabiliser par exemple une entreprise privée, ça peut lui faire perdre des milliards, notamment à la bourse, lui faire perdre des clients, des investisseurs. Je ne citerai pas de nom d'entreprise, mais il y a de grands groupes français qui en ont été victimes. Et puis c'est l'occasion aussi pour certains d'attaquer directement des entreprises publiques et par cet intermédiaire, attaquer un État pour directement le déstabiliser. Alors comment limiter les dérives? D'abord, ça exige un sursaut des autorités françaises, européennes. Nous allons voir cela dans quelques instants avec nos intervenants. La formation aussi et surtout en amont. Alors il y a les collèges. Je vois que vous êtes de nombreux jeunes ici et c'est super. Vous allez voir, on va pouvoir discuter ensemble. Donc les collèges, les lycées, mais aussi évidemment les écoles de journalisme qui font déjà beaucoup. Sans oublier évidemment le rôle des GAFAM, vous savez, les fameux Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, dont les pratiques donnent lieu à des critiques grandissantes. Enfin, les médias, bien sûr. Comment chassent-ils ces fausses informations? Ces médias qui sont aujourd'hui, il faut bien le dire, en quête de crédibilité auprès des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs. Alors nous allons débattre de tous ces points avec nos invités ici présents. Et puis vous-même, hein, je le disais, puisque c'est l'un des points forts de ces GECO, de ces journées de l'économiste, de pouvoir échanger. Donc les intervenants qui seront là, on se gardera une petite demi-heure après pour que vous puissiez échanger. Vous connaissez le principe, vous avez, il suffit de transmettre vos questions par téléphone, enfin par SMS, un numéro qui s'affiche normalement, le voilà. Et donc j'ai vos questions sous les yeux et nous les poserons tout à l'heure. Alors auparavant, laissez-moi vous présenter les intervenants. À ma gauche, Guillaume Rotti. Guillaume Rotti, porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. Auparavant, vous avez travaillé à la Commission à Bruxelles, notamment à la Direction générale de la concurrence. Vous êtes ingénieur civil de l'École des mines de Paris. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. C'est Nathalie Sonnac. Nathalie Sonnac, qui vous prie de bien vouloir l'excuser de son retard qui était prévu, parce qu'elle avait une réunion à Paris, donc elle arrive. Son TGV va l'amener dans quelques minutes, elle va nous rejoindre en cours de route. Nathalie Sonnac, que je présenterai tout à l'heure, qui représente notamment le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Éric Naon. Éric Naon est directeur adjoint d'IPJ Dauphine, c'est l'école de journalisme de l'Université Paris-Dauphine. Éric, vous avez travaillé comme journaliste économique, culturel, sur le web, en presse, magazine et radio, et vous avez lancé plusieurs médias. Et à préciser qu'à IPJ Dauphine, en Master 2, vous enseignez l'éthique du journalisme et les moyens de comprendre les fake news. Donc là, on est vraiment au cœur de la problématique et du métier. Et je précise que vous présidez également le réseau européen des écoles de journalisme. Et puis Vincent Giray, directeur de France Info,
France Info, la radio, première radio d'information en continu. Difficile de résumer votre carrière en quelques mots, Vincent. Je dirais simplement que, historien de formation, vous avez dirigé beaucoup de rédactions, dont celle de l'Expansion, de Libération, du Parisien aujourd'hui en France. Et puis la rédaction du Monde, évidemment. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, parce que là, il y a un parcours qui permet justement de bien apprécier la problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Je vais d'ailleurs me tourner tout d'abord vers vous, Vincent Giray, pour que vous nous expliquiez en fait le contexte dans lequel les journalistes d'une radio d'info continue travaillent. Les journalistes ont une cote, je le disais, vraiment à regagner dans l'opinion. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, allez, on va lâcher le mot, de véritable défiance? Ah oui, sans aucun doute. Bonjour d'abord à vous tous. Et puis je me réjouis de voir qu'il y a différentes générations présentes pour un débat comme celui-ci, ce qui est tout à fait réjouissant. Et d'ailleurs, je retourne un petit peu la question, Emmanuel, de notre table ronde. Hein. Quelle formation contre la désinformation? C'est pas simplement une question qui s'adresse aux journalistes. En fait, dans la société numérique, c'est une question qui s'adresse à chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. On vit dans une nouvelle société, une société numérique, dans laquelle le rapport à l'information a totalement changé. S'il fallait prendre une métaphore simple pour essayer de l'expliquer, celle que j'ai trouvée, parce que je l'ai lue, il se trouve qu'elle est celle d'un expert américain, il dit en fait, il y a eu un peu plus d'une décennie, presque deux décennies, il y a eu en matière d'information un tremblement de terre. Et juste après le tremblement de terre, il y a eu un tsunami. Et ce tsunami fait que nous sommes envahis, tous tels que nous sommes, par l'information, par désinformation, parce que nous sommes tous devenus des médias. Je m'adresse surtout là à ceux qui sont à l'étage, aux jeunes que je vois et que je me réjouis de voir. Eh bien, vous tous, vous êtes des médias. Vous partagez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez prendre des photos, vous allez liker. Les entreprises le font aussi, bien évidemment, les marques le font aussi. Et donc, nous sommes tout d'un coup dans un paysage de l'information totalement transformé, horizontal, saturé, complètement saturé. Nous sommes dans le règne de l'hyper-information. Et cette donnée-là, elle change énormément de choses. Pour les institutions, pour les démocraties, pour les entreprises, pour l'économie, pour les citoyens que nous sommes, pour le débat public. C'est pour ça que c'est une question centrale aujourd'hui qui nous occupe. Nous sommes dans une crise de l'information. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose d'inédit, vous qui avez, je le disais tout à l'heure, dirigé plein de rédactions? Oui, je crois qu'il y a quelque chose complètement d'inédit qui naît avec la société numérique. Nous devons apprendre les uns et les autres à vivre dans cette société numérique. Vous avez parlé, Emmanuel, de l'esprit critique tout à l'heure. L'esprit critique aujourd'hui, nous devons chacun réfléchir, je ne parle pas simplement aux jeunes générations d'ailleurs, mais la formation à l'esprit critique. Nous ne sommes pas assez formés à l'esprit critique. Je vous donne un exemple de choses qui dégradent, par exemple, la question de l'information aujourd'hui. On se rend compte, pour dire les choses de façon un peu grave même, que des acquis de la connaissance, des choses qu'on croyait... Voilà, qui sont construites dans le temps, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, sont en train d'être balayées par cette crise de l'information, par ce tourbillon de l'information dans un vent de relativisme. Je donne un exemple, les vaccins, par exemple. Les vaccins, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est des acquis de l'histoire, l'histoire de la connaissance. Alors, c'est Pasteur, quelques grandes dates, des découvertes, des scientifiques qui vont tout d'un coup... découvrir des vaccins qui vont nous permettre l'allongement de la durée de la vie, la diminution de la mortalité infantile. Enfin bref, on doit beaucoup collectivement, là, tous tels que nous sommes, à ces acquis de la connaissance, au fait que les vaccins existent et qu'on a pu faire disparaître un certain nombre de maladies qui étaient mortelles autrefois. Aujourd'hui, la France est le pays, c'est là aussi, Emmanuel, qui était intéressant de le souligner, il y a une singularité française dans cette crise. La France est le pays dans lequel le doute sur les vaccins est le plus fort. C'est presque 50% des Français qui doutent de l'efficacité des vaccins. Les vaccins, c'est bien, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'effets indésirables. Voilà, ça, c'est une opinion commune. On a aujourd'hui des médecins, même des médecins, qui refusent de vacciner sur certaines choses. Bon, c'est totalement criminel, bien évidemment. On voit, par exemple, aujourd'hui réapparaître, par exemple, une épidémie de rougeole, qui était une maladie qui avait disparu. Bon, et ça, c'est mortel aujourd'hui, y compris pour des très jeunes enfants. Vous voyez cet élément-là, par exemple. Je parle volontiers, on va parler de l'économie, mais ce qui est intéressant, c'est que le domaine dans lequel aujourd'hui il n'y a plus... Alors moi, je n'utilise pas le mot de fake news, je vais vous dire pourquoi après. Mais où il n'y a plus de désinformation, ou de mésinformation, on fera la différence peut-être avec Eric tout à l'heure, eh bien c'est le domaine de la santé.
la santé, il y a énormément de contre-vérités, de bêtises, de manipulations, de choses totalement pathétiques qui sont aujourd'hui diffusées à très grande échelle, suivies, likées, partagées à des millions de d'exemplaires, j'allais dire. Et ça, bien évidemment, c'est extrêmement problématique. Donc oui, il y a une singularité. Oui, il y a quelque chose de nouveau dans cette économie de l'attention. Voilà, il y a une crise de l'information qui doit, chacun d'entre nous doit faire attention, doit se prémunir, doit se protéger. Il y a des choses aussi. On peut s'entraîner, on peut exercer son esprit critique. Il y a beaucoup de choses à dire et à faire, Emmanuel, sur ces sujets-là. Alors, à vous écouter et à vous entendre, Vincent Gironde, on a vraiment l'impression d'une situation, je dirais, à la limite catastrophique si on ne la maîtrise pas encore. Vous l'avez d'ailleurs très bien transcrit à travers une tribune qui est parue il y a quelques temps dans les Échos, quelques jours. C'est la démocratie face au poison de la désinformation. Vous parlez de poison, carrément. Oui, il y a un poison parce que nous sommes effectivement dans une crise de défiance très forte. Je parlais de la singularité française, il y a un organisme, enfin un centre de recherche, on va dire le Reuters Institute, qui mesure la confiance en l'information dans une trentaine de pays. Il n'y a pas que des démocraties, mais il y a les grands pays de la planète. Bon. La France est avant-dernier de ce classement cette année. Il y a clairement un effet crise des gilets jaunes, pour le dire très vite, je y reviendrai après, mais qui montre que la crédibilité à l'égard de l'information, des journalistes, des médias, a pris un coup très très fort, un peu partout dans le monde, mais très fortement en France. La France, par exemple, quand vous posez la question, c'est la question du Reuters Institute, est-ce que vous faites confiance en l'information ? 24% des Français seulement ont confiance en l'information. Et c'est l'avant-dernier pays des 30 ou 35 qui sont mesurés par le Reuters Institute, quelque chose qu'on a en plus dans la durée, parce que chaque année, les mêmes questions sont posées. Et c'est le pays où la défiance est la plus forte en Europe. Donc il y a vraiment une particularité française, et on a vu pendant cette crise des Gilets jaunes combien les journalistes étaient montrés du doigt, combien la question de l'information était posée, avec une très grande méconnaissance de la façon dont on travaille, d'ailleurs nous autres journalistes. Bien évidemment, ça nous a saisis, ça nous a interpellés, quelque chose avec lequel nous allons devoir vivre pendant un certain temps. Donc bien évidemment, c'est quelque chose de très important pour le métier. Alors, je veux pas être trop dramatique. On y reviendra en détail tout à l'heure, parce qu'à France Info, vous avez mis en place des outils très précis, justement, auparavant. On en reparlera tout à l'heure, si vous le voulez bien, Vincent. Merci, en tout cas, pour ce décor-là. On voit bien vraiment l'importance de ce sujet. Alors, Guillaume Rotti, donc, je rappelle, porte-parole de la Commission européenne en France. La Commission européenne, Bruxelles, est très avancée, on va dire, dans la lutte contre les fake news et la désinformation. On ne le sait pas tout le temps, le grand public ne le sait pas, mais ça travaille beaucoup à Bruxelles et ailleurs. Et vous avez mis en place un code de bonne conduite contre les désinformations. Alors, on va se donner 10 minutes. Dites-nous comment, à quoi ça sert, comment ça marche, à qui c'est destiné exactement. Alors, bonjour à tous. Effectivement, ça travaille beaucoup à Bruxelles, hein, pas que sur la désinformation, mais c'est un des sujets qui a pris énormément d'importance depuis les deux dernières années, avec une raison simple, c'est qu'on a eu des élections européennes en 2019, et à peu près un an avant les élections européennes, on a commencé à avoir de plus en plus de signaux, d'indications et de preuves que pas mal d'élections démocratiques en Europe et ailleurs avaient été biaisées par des campagnes de désinformation menées par pas mal d'acteurs, soit indépendants, soit des pays. On a beaucoup identifié de la désinformation russe, notamment sur la campagne américaine, mais aussi sur la campagne contre le Brexit, pardon. Et donc, il y a eu un peu une tension qui est montée sur comment on va pouvoir conduire des élections européennes qui sont légitimes et qui donnent un résultat dans lequel on peut avoir confiance et où les électeurs n'auront pas été manipulés dans une direction ou un autre, sachant que la question européenne est traditionnellement, pour plein de raisons, on pourra y revenir, un nid à des informations et qu'il y a énormément de mythes et de choses fausses qui circulent sur comment fonctionne l'Union européenne en général. Et donc ça a conduit les chefs d'État des 28 à l'époque États membres de l'Union à se dire il faut vraiment qu'on agisse et il faut qu'on accélère sur la lutte contre la désinformation. La première chose qu'on a faite, qui est assez importante, c'est qu'on a donné une définition au niveau européen de ce qu'est la désinformation. Parce qu'il y a tous ces termes, fake news, désinformation, mésinformation, il y a plein de choses qui sont un peu mis sur le même plan, alors qu'en fait, c'est pas exactement pareil, et ça a des vraies conséquences sur comment on agit. Nous, au niveau européen, ce qu'on a défini comme étant de la désinformation, c'est quelque chose qui est fait avec une intention de nuire. Et ça, c'est vraiment super important. C'est-à-dire, c'est des messages qui sont véhiculés
dont on peut vérifier qu'ils sont faux, c'est-à-dire on peut aller regarder dans des sources autorisées que ce sont des mensonges, et qui sont communiqués, diffusés, matraqués avec une intention politique ou une intention commerciale. Il y a pas mal de groupes qui cherchent à faire de l'argent avec de la désinformation. C'est tous les sites qui essayent d'avoir un maximum de clics avec des faux titres et des trucs super attractifs, on va dire, qui donnent très très envie d'aller regarder. Et donc ça, c'est vraiment cette notion d'intentionnalité, elle est clé au niveau européen. Guillaume, je peux juste un demi-mot pour aller complètement dans votre sens. Je citais le Reuters Institute tout à l'heure sur les questions de confiance. Dans un rapport qui est sorti juste là, il y a quelques semaines, pour illustrer ce que vous dites, il y a 70 pays qui ont été répertoriés en 2019 dans lesquels ce que vous venez de raconter, Guillaume, s'est passé. C'est-à-dire que des acteurs organisés, des officines, des structures plus ou moins opaques, para-étatiques, des services secrets, qu'importe, jouent avec l'information, envoient des relais des choses qui peuvent fragiliser notre société démocratique. Je pense beaucoup là, particulièrement à ce qui se passe en Russie. Et donc, vous voyez, ce phénomène-là est très difficile à circonscrire et nécessite bien évidemment, je m'arrête là, des éléments de régulation. En tout cas, si 70 pays sont déjà identifiés, on peut imaginer qu'il y en a plein d'autres qu'on n'a pas encore identifiés, probablement. Oui, ou ça va continuer à se développer, en tout cas. Alors, Guillaume, pardon. Et donc, pour et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était de s'attaquer un peu à toute la chaîne de la désinformation. On a d'abord énormément augmenté les moyens de l'Union européenne sur identifier les désinformations, identifier ces acteurs qui mènent ces campagnes, arriver à mieux comprendre comment ça fonctionne, mieux comprendre comment une désinformation se propage, qui la diffuse, comment ça fonctionne, parce que c'était quelque chose d'assez nouveau. On a aussi changé la manière dont on communiquait, nous, institutions européennes. Donc on a lancé un peu nos propres mécanismes de lutte contre les fake news et les mythes. En France, on a créé un truc qui s'appelle les décodeurs de l'Europe, où on essaye d'apporter les faits sur ces grandes idées qui circulent, comme quoi l'euro a fait augmenter le prix de la baguette de manière indécente, ou plein d'idées reçues qu'il peut y avoir. Mais le cœur de notre action, ça a vraiment été de s'attaquer à l'engrenage que sont les plateformes et qui, parce qu'en fait c'est vraiment les plateformes de réseaux sociaux qui permettent la diffusion et le caractère viral de la désinformation. Et donc notre premier objectif, ça a été de se dire, on va essayer de couper à la source la viralité et de forcer les plateformes, donc c'est Google avec YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Microsoft, donc tous ces lieux où l'information s'échange et où chacun est un média et est capable de donner une information. On les a tous mis autour d'une table, on leur a dit, on a un vrai problème, on trouve que vous ne faites pas le job de contrôler ce qui circule sur vos plateformes, et donc on a envie d'avancer. On ne veut pas légiférer tout de suite, c'est-à-dire on ne veut pas dire ça c'est de la désinformation, ça s'en est pas, transmettre de la désinformation c'est interdit, parce que c'est assez compliqué de légiférer sur ces sujets-là. En revanche, on veut qu'on trouve des solutions ensemble pour limiter au maximum la diffusion de fausses informations. Et ça, ça a abouti à ce code de bonne pratique que toutes ces grandes plateformes ont signé. Donc c'est Mark Zuckerberg qui est venu et qui a signé au bout, en bas d'une page, en s'engageant à tout un certain nombre d'actions, ce qu'on appelle de l'autorégulation. Et après, on a essayé de suivre s'ils avaient mis en œuvre leurs engagements. Pourquoi on pense que cette méthode peut marcher ? Parce que les plateformes, elles ont un intérêt à limiter la désinformation. Certes, pour eux, c'est une source de revenus, mais c'est aussi une grande source de décrédibilité, et il y a une vraie, si on est sur Facebook et qu'on voit que des trucs qu'on n'a pas envie de voir, qui sont de la désinformation, on va finir par aller sur une autre plateforme. Donc ils ont une vraie incitation à lutter aussi contre la désinformation. Concrètement, par quoi ça s'est traduit ? Ça s'est traduit par un travail énorme sur la publicité sur ces plateformes. Il faut savoir que la désinformation, c'est beaucoup un business, et il y avait cette idée de casser la chaîne de valeur de la désinformation et donc s'assurer que quand on fait une fausse pub ou une pub qui ramène sur un faux site internet qui diffuse pas du tout les messages qui étaient écrits sur la pub, ça doit être interdit. Et donc les plateformes ont fait beaucoup de travail pour interdire ce type de publicité. Après, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Elles n'ont pas toutes joué le jeu à part égale. Facebook, là, dans leur dernier rapport la semaine dernière, nous ont dit qu'ils avaient limité ou interdit pour un montant de 30 millions d'euros de revenus publicitaires, parce qu'ils estimaient qu'elles n'étaient pas compatibles avec les règles sur la désinformation. C'est pas énorme par rapport aux revenus publicitaires de Facebook, donc on se dit qu'il y a encore une marge de progrès. Un autre travail important qu'on a fait, c'est la lutte contre les faux comptes. Donc s'assurer que quand on est sur les réseaux sociaux, c'est des gens légitimes qui parlent, ou c'est des vrais avis, et c'est pas des robots créés en Russie, en Albanie ou en Macédoine du Nord qui
sont créés par des algorithmes et qui diffusent toujours la même information et les mêmes posts pour donner de la fausse viralité. Et là-dessus, juste un chiffre, Facebook a fermé 2,2 milliards de comptes suite à la signature du code de désinformation. Ce qui veut, on peut à la fois dire c'est énorme, on peut aussi le voir en sens où c'est énorme le nombre de faux comptes et de bots qu'il y a et qu'il faut encore fermer. Et le dernier axe qu'on a voulu appuyer, c'est la transparence de la publicité politique. Ça, c'est un truc, en France, on n'est pas très familier avec la publicité politique, mais il y a pas mal de pays, aux États-Unis notamment, où c'est très classique pour des représentants élus ou des candidats à des postes de faire de la publicité, et les réseaux sociaux sont devenus l'une des batailles premières de cette publicité. Et donc là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, de forcer les plateformes à dire « Cette publicité, elle a été payée par quelqu'un qui veut que vous la voyez parce qu'il a un intérêt politique à ce que vous la voyez. » Et donc, on a essayé de créer de la transparence sur, sur cet élément. Donc ça, ça dure depuis... ça remonte à quoi ? Une année, c'est, ouais, en gros, c'est une année de travail ? C'est une année de travail. Ça a été signé en octobre 2018. Et donc là, on a fait le bilan la semaine dernière de un an de mise en œuvre du code. On peut voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que des analyses qu'on a pu faire, on n'a pas vu que l'élection européenne dans aucun pays de l'Union n'a été faussée par de la désinformation. Donc il n'y a pas eu de campagne massive de désinformation qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas eu d'influence externe vraiment visible. Le verre à moitié vide, c'est qu'il y a encore énormément de travail à faire, que c'est très très disparates les actions qui sont menées par les différentes plateformes. Elles ont toutes leurs propres règles, elles appliquent toutes leurs propres processus internes de vérification. Elles ont pas une vision commune de qu'est-ce que c'est qu'une publicité politique ou quelle est la bonne manière de vérifier que cette publicité elle est fiable. Et donc il y a vraiment beaucoup de travail d'harmonisation à faire et aussi d'accélérer pour avoir plus de résultats. Donc la prochaine étape concrète, c'est quoi aujourd'hui? Alors, la prochaine étape, c'est qu'on va pendant 6 mois, là, on va continuer à évaluer la mise en œuvre du code, notamment en faisant appel à des experts extérieurs et que ce ne soit pas que ce que disent les plateformes, parce que c'est eux qui nous disent voilà ce qu'on a fait, voilà les résultats. Donc il faut aussi qu'on arrive à aller derrière ça. Et à partir de là, en début 2020, on va proposer ou pas de continuer le code, de l'amender, de faire en sorte qu'il y ait plus de signataires, ou alors de, ce qui a toujours été une des menaces qu'on avait vis-à-vis d'eux, de faire une législation sur la désinformation. Et un dernier point que je voudrais mentionner, parce que c'est important dans l'action que mène l'Union européenne, et c'est en lien directement avec ce titre de « Quelle formation contre la désinformation ?», on a tout un travail de éducation aux médias, sensibiliser les citoyens à ce que c'est que la désinformation. On organise la semaine européenne de la lutte contre la désinformation. Et le but, c'est vraiment aussi d'aider les journaux de qualité à retrouver cette crédibilité. Et je vais juste mentionner un truc qui n'est pas forcément en lien avec la désinformation, mais en tout cas, on n'y pense pas direct, c'est que l'Union européenne a adopté la directive copyright il n'y a pas très longtemps, qui va créer des droits voisins pour les journaux, et donc qui va permettre aux médias, dans une négociation qui va s'annoncer difficile avec les plateformes, mais de négocier une rémunération pour être visible sur les plateformes. Et ça, on pense que ça va permettre aux journaux de gagner un peu plus d'argent, d'être un peu plus rentable, on l'espère, et donc de recruter plus de journalistes, et donc de faire du travail et d'améliorer la qualité de l'information. Alors Vincent Touraine, Vincent Giray. Ça laisse Nathalie Sonnac le soin de s'installer. Et on se réjouit qu'elle arrive parmi nous, parce que 4 hommes à la tribune, c'est un truc un peu difficile. On n'est pas encore dans la parité, mais on progresse, on va dire. Simplement pour aller dans le sens de ce que vient de dire Guillaume, qui me paraît très important. Vous voyez qu'on parlait de la crise de l'information. L'une des réponses, c'est une seule des réponses, mais qui est très importante, c'est la question de la régulation. Est-ce qu'on est capable de réguler ces plateformes? Bon. Et là-dessus, il faut se dire qu'on a une singularité, nous, en Europe, c'est que, précisément, on est très sensible à la qualité du débat public, au fait que les élections ne soient pas manipulées ou influencées. On est porté par des valeurs spécifiques démocratiques qui sont des valeurs européennes. Toutes les régions du monde ne partagent pas nécessairement cette façon de faire. Sur la question de la régulation des plateformes, par exemple, l'Europe a une voix totalement singulière. Le débat commence aux États-Unis à porter, mais pas exactement sur les mêmes sujets, plutôt sur des questions de loi antitrust et d'abus de position dominante, qui peut être un sujet en Europe, mais qui pour l'instant n'est pas celui qu'on évoque là, qui est celui de la désinformation. Et donc, vous voyez, c'est l'un des outils qu'on a dans cette crise de l'information, c'est la question
question de la régulation, mais elle est balbutiante aujourd'hui. Ce que raconte Guillaume, c'est bien évidemment très intéressant. On se réjouit que la Commission européenne fasse ce travail, mais on voit bien que les plateformes n'ont aucune envie, spontanément, de se conformer à ces règles, à cette éthique, etc. Parce que ce sont des acteurs mondiaux, et bien évidemment, c'est difficile de réguler sur une plateforme mondiale un bout de cette plateforme qui se trouve être en Europe, avec un usage massif sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et autres Google. Donc voilà, il y a une vraie difficulté là-dessus. Et j'insiste juste sur un dernier point aussi, qui a été évoqué, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que dit Guillaume, c'est la question des élections. Dans une démocratie, le moment de fragilité d'une démocratie, c'est le moment des élections, bien évidemment. Parce que voilà, c'est le moment de vérité où on va choisir nos représentants. Si ces moments-là, pendant la campagne, sont l'objet d'intrusions, de jeux, de manipulations, d'officines étrangères, bien évidemment, ça pose problème. On n'est pas sûr, même aux États-Unis, même dans le cas des États-Unis, que ça aurait inversé le résultat et que Trump aurait été battu. Mais on sait qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, lors des dernières élections, il y a eu des tentatives de... Bon. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi totalement préoccupant et qui est d'autant plus préoccupant, et je termine là-dessus, Emmanuel, pardon d'avoir été un peu long, qu'arrive juste derrière tout ce qu'on vient de se dire, ce qu'on appelle le deepfake. Le deepfake... Ce sont, grâce à l'intelligence artificielle, vous en avez certainement vu parce que ça court aussi déjà dans les réseaux sociaux, on est capable aujourd'hui, avec des machines, d'imiter extrêmement bien le son de la voix et de quelqu'un, d'une personnalité, d'un dirigeant, et même d'être sensible à l'articulation, au mouvement de ses lèvres, et donc à constituer des faux... flagrant, intégral ou intégraux, si j'ose dire. On l'a vu avec des chefs d'État, des messages politiques. De manipulation à très grande échelle. Comment nous, on va être capable, et là je nous inclus tous là, dans cette salle, de se dire, de démasquer cette vidéo, par exemple, en disant mais ça c'est un fake grossier, ça a été fait par de l'intelligence artificielle, ça n'est pas vrai. Vous voyez que toute cette question de vérification, combien chacun d'entre nous, on doit déjà être sensible à ça. Et les deepfakes, ce n'est pas pour dans 5 ans. Hein. C'est maintenant que ça a commencé. Et ça va être très, très fort. Donc, vous voyez, on a besoin tous de se prémunir et d'avoir tous les outils de réplique possibles, des outils juridiques, des régulations, mais aussi des outils individuels, personnels. Chacun d'entre nous doit être capable de faire son éducation, en quelque sorte, à cette société numérique qui est en train de se développer. Et c'est possible, bien évidemment. C'est assez préoccupant. C'est pour ça qu'il faut que l'école soit bien embarquée dans le truc. Mais là, il y a des gens de toute génération dans la salle et personne n'est au-dessus des autres. Nous-mêmes, chacun d'entre nous doit faire attention, être vigilant, faire attentif, être très attentif à ce qu'il partage, par exemple, à ce qu'il lit, à la manière dont il s'informe. Être très vigilant, très prudent. Et puis on verra aussi tout à l'heure comment, quand on est à l'intérieur d'un média, on fait en sorte de faire sa propre formation à l'interne et pour convaincre le public. Alors, Nathalie, et puis Vincent, vous souleviez aussi le point très important de la régulation de l'information. Ça pose aussi d'autres questions. Qu'est-ce qu'une régulation de l'information concrètement? On aura l'occasion d'en débattre. Alors, Nathalie Sonnac, merci infiniment d'avoir fait le maximum pour être avec nous aujourd'hui. Soyez la bienvenue. Donc, économiste, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas. Vous êtes membre du collège du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et vous présidez au CSA notamment le groupe de travail télévision, production et création. Alors expliquez-nous un petit peu, vous avez une dizaine de minutes, comment le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, se positionne dans ce débat. Vous êtes à la fois, je dirais, dans l'aspect formation, régulation dont on parlait, et puis très important, la loi aussi dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Bonjour à tous, merci beaucoup, veuillez m'excuser encore de mon retard. Merci pour cette invitation. Alors, pardon, parce que du coup, je n'ai pas pu, et si je répète, pardon ce que vous avez dit, Guillaume Rotli, je n'étais pas présente. Donc, il y a plusieurs aspects, mais en fait, je crois que Vincent Giray vient de poser, en tout cas, de ce que j'ai entendu, tout à fait comme ça que je l'entendais, le débat correctement. C'est-à-dire qu'un des points, en tout cas, un point de départ qui est important de connaître, c'est vraiment le modèle économique de ces grands acteurs qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple,
Microsoft, voire certains qui accrochent, même si ce n'est pas mon cas, Netflix, mais en attendant, l'ensemble de ces acteurs qui se retrouvent aujourd'hui en concurrence directe avec l'ensemble des télévisions, des radios, des médias en général, et ceci exerce une pression forte. Alors moi, ce qui me semble important, c'est de bien comprendre leur modèle économique, qui, de par leur modèle, ces plateformes-là génèrent des effets, tant des effets de réseau, des externalités, et bénéficient d'économies d'échelle extrêmement importantes et par ailleurs ont une puissance financière très large. Et que ce sont l'ensemble de ces effets, notamment les effets de réseau, qui structurent l'économie numérique et qui conduisent ces acteurs à occuper des positions monopolistiques, en tout cas oligopolistiques, puisqu'ils sont un noyau. Et en étant, en fait, occupant cette position, étant intégrés tant verticalement que horizontalement, dès lors, comme ils sont aussi présents dans la sphère publique, dans la sphère médiatique, eh bien c'est en ce sens qu'ils posent des questions. Alors les questions, c'est des questions d'ordre concurrentiel, économique pur, qu'on va laisser de côté, mais c'est tout de même une dérivée de ces questions-là qui fait qu'on se pose des questions sur leur capacité à fixer elles-mêmes en fait, les règles du jeu sociétal, voire les règles du jeu démocratique. Alors peut-être en quelques chiffres, et pardon si je vous répète, mais c'est 1,6 milliard d'utilisateurs dans le monde pour Facebook, c'est-à-dire qu'elle est la première plateforme d'accès à l'information pour les 71% des 15-34 ans qui consultent quotidiennement l'actualité via les réseaux sociaux et 32% d'entre eux qui ne passent que par elle pour pouvoir s'informer. Et je pense que, me semble-t-il en tout cas, c'est que en les laissant se positionner telle qu'elle et occuper une telle position, ça signifie qu'en fait, elle structure le champ de la communication où tout le monde, mais notamment les jeunes et les plus jeunes, reçoivent leur première formation politique qui est filtrée par ces sociétés-là. Et c'est en ce sens que ça remet en cause pas simplement la fonction sociale des médias, mais carrément notre fonctionnement démocratique. Et je pense que c'est vraiment une base qui est essentielle. C'est de par ce modèle économique, de par la position et la puissance économique et financière qu'elles occupent, que dès lors elles poussent les autres acteurs économiques, parce qu'en économie numérique c'est winner take all, et dès lors, donc tout le monde prend, enfin le premier prend tout le marché, et dès lors ça écarte les autres. Or, toute la question de la régulation et la raison pour laquelle il y a une réglementation, c'est que, en fait, et le CSA, c'est sa fonction, c'est son métier, si je veux dire, c'est la garantie de la liberté de communication. Et cette garantie passe par une diversité, par un pluralisme, en tout cas l'assurance d'assortir à l'ensemble des citoyens une pluralité de médias distincts pour pouvoir s'informer. Et parce qu'un citoyen bien informé, c'est lui qui se rend dans les salles pour ensuite pour voter et pour élire les hommes politiques qu'on a en place. Donc on voit bien que de par leur structure et de par leur position monopolistique, et j'imagine qu'on y reviendra par après, elles sont très créatrices de par leur architecture de fake news, en tout cas véhiculer très très massivement les fake news. C'est pas du tout un phénomène, l'infox n'est pas un phénomène nouveau, mais pour autant, de par leur puissance de déploiement, c'est en ce sens que c'est nouveau, que ça nous interroge et que ça pose sacrément des questions. Alors, pour répondre maintenant plus directement à votre question du rôle, finalement, le CSA intervient, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, peut intervenir, ou la légitimité d'intervenir sur plusieurs champs et plusieurs niveaux. D'abord, on a un fondement juridique de notre action en la matière, notamment en matière d'éducation aux médias, de par la loi du 30 septembre 1986, qui est la loi qui régit encore, je dis encore parce qu'on est en pleine modification d'architecture de cette loi, mais en attendant, c'est celle qui régit donc, et qui est relative à la liberté de communication et c'est, qui régit notre espace communicationnel tant radio que télé. Le CSA signe des conventions avec chacune des chaînes de télévision lorsqu'elles sont privées et donc, en la matière, les questions qui nous importent ici, eh bien, il y a des obligations, des mesures qui sont propres à contribuer, par exemple, à l'éducation, aux médias, à l'information, à la diffusion de programmes éducatifs ou encore à la contribution d'actions culturelles. Ça, c'est pour le volet chaîne privée. Maintenant, le volet chaîne publique, c'est-à-dire l'ensemble des chaînes de télévision qui appartiennent au groupe, notamment France TV, eh bien, il y a des objectifs qui sont fixés. Donc le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population, l'insertion sociale, la citoyenneté, tous ces éléments-là sont
inscrit dans le cahier des charges des chaînes de télévision de France Télévisions que nous, nous régulons derrière. Donc on s'assure que les chaînes de télévision vont bien diffuser, émettre, transmettre, échanger sur toutes ces questions de façon générale d'éducation aux médias. Alors Nathalie Sonnac, ça, là vous parlez des gros et des grands acteurs, mais il y a aussi plein d'autres structures, je pense notamment aux youtubeurs par exemple, qui ont une grande influence sur la jeunesse ici présente. Qu'est-ce que le CSA prévoit par exemple précisément avec les youtubeurs? Alors, vous avez raison d'insister. Aujourd'hui, il y a ces chaînes-là qui sont dans l'escarcelle, si je veux dire, du CSA. Mais depuis la directive de novembre 2018, en fait, c'est donc dans cette directive-là, le champ d'application pour les régulateurs audiovisuels s'élargit aux plateformes de partage de vidéos, donc, et d'échange et de streaming. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, eh bien, YouTube, une fois que ça sera transposé évidemment dans la nouvelle loi, eh bien, des acteurs comme Apple, Facebook, Google et Twitter participeront de ce champ d'application que nous régulons. Il y a un bon exemple qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre, si j'ose dire, cette nouvelle loi et la transposition de la directive dans la loi nationale. C'est la loi du 18 décembre 2018 qui est relative à la lutte contre les fausses informations. Donc ça, c'est un élément d'avancement important. Nous, on a été amenés au CSA à rencontrer toutes ces plateformes, hein, pas toutes, parce qu'évidemment, elles sont extrêmement nombreuses, mais en tout cas, on les a rencontrées et on a adopté une recommandation dans le cadre de devoir en fait coopérer. Donc aujourd'hui, toutes ces plateformes, et notamment donc YouTube, qui en fait partie, eh bien, ont le devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion des fausses informations. Donc ça signifie que nous, on leur demande de développer des moyens, tant des moyens humains que des moyens techniques et donc dès lors financiers aussi, pour pouvoir lutter contre ces fausses informations. Mais est-ce qu'ils le font? Parce que vous êtes régulateur, vous dites, voilà, puis il y a la loi, hein, vous l'avez bien oui. expliqué, mais est-ce que vous avez un observatoire? Je ne sais pas comment ça fonctionne, si on rentre un peu dans la cuisine, vous donnez des directives, mais après, comment vous contrôlez? Est-ce que c'est réellement appliqué? Alors, c'est extrêmement récent, hein, puisque ça date de décembre 2018, donc ça veut dire que c'est une mise en application au moment des lois, donc on rentre dans cette mise en application, par exemple, pour les élections qui viennent, et effectivement, le CSA ne va pas pouvoir exercer de la même façon la régulation qu'il exerçait dans le champ de l'audiovisuel classique, tout simplement parce que c'est beaucoup plus large. Donc dès lors, c'est une obligation de moyens. Et nous, on checkera derrière quels sont les moyens que chacune de ces plateformes ont pu développer. On est en train de s'équiper, si j'ose dire, de réfléchir, d'échanger. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de le faire en coopération. Le but du jeu n'est pas, et le CSA n'est pas du tout, un simple gendarme ou un seul gendarme. C'est travailler la main dans la main. Mais évidemment, c'est travailler de la même façon lorsqu'on signe une convention avec une chaîne de télévision. C'est un deal entre nous. On s'entend pour un certain nombre de points. Et là, de la même façon, on s'entend. On va s'entendre, on va coopérer, en tout cas c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on a déjà fait. Et puis il y a de par la loi, c'est-à-dire il y a une obligation de transparence et d'exigence de coopération. Donc après il y aura sanction si les plateformes ne participent pas à cette coopération et surtout à ce déploiement de moyens pour viser à lutter notamment contre la désinformation ou les manipulations de vote. Nathalie Sonnac, quel est le coût concret pour la société? Parce que la désinformation, ça a un coût. Le CSA regarde ça de plus près? C'est compliqué parce que vous parlez tant, j'imagine que vous avez en tête tant un coût économique qu'un coût social, un coût sociétal. Le renversement ou la mise en place de dictatures, tout simplement parce que on aurait des désinformations qui auraient été suffisamment puissantes pour déstabiliser et pour altérer la nature du vote, c'est bien ça qui coûte à la société. Je ne sais pas si on mesure complètement le coût d'une tyrannie. En tout cas, bon, Google, les GAFAM, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Vous aviez encore peut-être un point sur lequel développer ou... Peut-être un petit point, mais peut-être vous aurez l'occasion d'y revenir. C'est les actions qu'on mène. Alors, donc là, c'est l'activité concrète de régulation, mais c'est les actions qui sont menées au CSA pour pouvoir pour promouvoir l'éducation aux médias. Donc depuis 2013, on a créé au CSA un observatoire hein, qui est piloté aujourd'hui par Carole Bien-Aimé-Besse, hein, qui est membre du CSA et qui pilote le groupe de travail éducation, protection des publics et cohésion sociale. Donc on a un travail régulier, donc un observatoire. On a des acteurs extérieurs qui viennent avec nous pour nous doter d'outils, pour nous doter d'une autre réalité que celle que nous ne nous attraperions pas, pour renforcer ce lien entre éducation et médias.
On a un grand enjeu avec les chaînes, c'est tant de parler de l'éducation aux médias et à l'information que l'éducation par les médias, que l'éducation par l'usage des médias. Et puis depuis plusieurs années, 2013, 2015, on a plusieurs phases, on a développé de nombreux partenariats. Alors on développe tant avec une école telle que le CELSA, on a développé des partenariats avec des associations, l'association Tout Couleur, l'association de production Les Haut-Parleurs, la société de moteurs, les jours où on participe. Beaucoup d'initiatives. Beaucoup d'initiatives avec les académies. Donc c'est-à-dire que le CELSA n'est pas, en l'occurrence, n'est pas du tout hors sol. C'est-à-dire qu'on agit sur le terrain. C'est bien de l'expliquer aussi, parce que parfois on a le côté administratif qui ressort plus que le travail quotidien. Oui, puis je pense que les journalistes ne disent pas bien ce qu'on fait véritablement le CSA. Et donc, vous en profitez là, vous en profitez. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'en profite effectivement pour faire un peu de pédagogie. Bien, message reçu, merci Nathalie Sonnac. Merci beaucoup. Éric Nahon, je me tourne vers vous. Là, on va continuer d'entrer encore plus intensément dans cette grande cuisine de la fabrique de l'information. Comment est-ce qu'on travaille cette matière dans les écoles de journalisme ? Parce que, évidemment, j'imagine que recherche et recoupement font partie du socle commun de la formation. C'est le béaba du métier, finalement. Exactement. Bonjour à tous. C'est assez paradoxal parce qu'on se dit une école de journalisme, la recherche et la vérification de l'information, ça fait partie du béaba. Et c'est vrai. Hein, on a depuis toujours... toutes les écoles de journalisme, les 14 écoles reconnues, j'ai beaucoup parlé au nom de ces 14 écoles, pas uniquement de mon école, des cours de recherche et vérification de l'information, comment fonctionnent les sources, qu'est-ce qu'une source, est-elle crédible, est-elle, y en a-t-il deux, y en a-t-il trois, s'il y en a trois, on y va, etc. Pourquoi mettre en place un cours spécifique autour des fake news et dans leur ensemble? Je vais expliciter un peu les termes après, et de vérification de l'info, ce qu'on appelle fact-checking, tout simplement parce que mes camarades l'ont bien expliqué, on est la viralité de la chose et le fait que nous sommes toutes et tous exposés aux fausses informations, à la désinformation, vous autant que moi, que nous sommes tous nos propres médias, fait qu'il est indispensable aujourd'hui, dans une école de journalisme, d'avoir une matière spécifique. Et quand je dis aujourd'hui, nous, école de journalisme, IPJ Dauphine n'a pas été la première à mettre en place spécifiquement un cours de fact-checking. Les premières ont été, je crois, l'école de Lille, le SJ Lille et Sciences Po, suivies de près par le CFJ, le CELSA, l'IPJ et Tours, qui ont chacune eu leur propre programme, et ce, bien avant les élections américaines. Il se trouve que la campagne du Brexit et l'élection de Donald Trump nous ont malheureusement donné raison et que, effectivement, le terme fake news est rentré dans le langage commun. Ensuite, de quoi on parle quand on parle de fake news? C'est assez simple. On parle d'une galaxie de fausses informations, on l'a bien dit, de désinformation, et je vous rejoins totalement, Guillaume, quand vous parlez d'éléments intentionnels, mais aussi beaucoup de mésinformations, c'est-à-dire de mauvaises informations, qu'elles soient parcellaires ou du mauvais journalisme, ça arrive souvent. Et au milieu de tout ça, on a la gigantesque forêt des canulars, des hoax, des Gorafi, Almanchar, Quotidien quand ils font des sketchs, des choses humoristiques qui ont la saveur de l'information, mais qui peuvent tromper. Donc désinformation et mésinformation, voilà. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il y a un monde entre les deux. Et puis il y a un monde entre les deux qui est le monde du canular. Mais effectivement, la désinformation, et vous l'avez bien expliqué, Guillaume, c'est l'intention de nuire. La désinformation, la mésinformation, si moi aussi je m'y mets, la mésinformation, il y a une erreur. Généralement pas intentionnelle. Mais il y a une erreur ou une information biaisée par un manque de source ou de contexte. Donc il faut expliquer tout ça, et il faut expliquer tout ça aux personnes qui vont devenir journalistes et aux personnes qui vont aussi lire le travail des journalistes, ne pas tout mettre dans le même panier. C'est pour ça qu'il faut à la fois faire de l'éducation aux médias au-delà des écoles de journalisme, mais aussi dans les écoles de journalisme, et il nous est apparu essentiel d'avoir un cours spécifique sur la vérification de l'information. Au départ, la vérification de la parole du politique,
un tel dit 82% de la production énergétique et ceci, cela. Et donc, on vérifie, et oui, vous avez raison, non, voici le contexte. Et on est passé finalement à une vérification d'à peu près tout ce qui se dit du moment que c'est viral. Parce qu'on arrive à des moments où tout le monde produit de l'image, tout le monde produit de la vidéo, et certaines ressortent un an plus tard. J'ai été, là, on m'a envoyé une vidéo hier, une vidéo attribuée à un militaire israélien qui aurait, alors j'utilise du conditionnel, mais on pourrait vérifier, qui donc a tiré sur un Palestinien qui, après un contrôle, lui tire dessus avec une balle en caoutchouc. Et donc cette photo, enfin cette vidéo fait le tour des réseaux, à la fois en Israël, à la fois au Liban, et on me l'envoie. Et en fait, on se rend compte, moi et d'autres, que cette vidéo date d'il y a 18 mois, et que l'affaire est déjà en cours de jugement, etc. Donc on a en plus des choses qui ressortent régulièrement, et dont on pense que c'est nouveau, et donc il faut assez régulièrement former les journalistes pour pouvoir écarter les choses et remettre les choses dans leur contexte. Après, comment fait-on ? C'est simple, on aiguise, ce que disait tout à l'heure Vincent, l'esprit critique, et on part de choses très très simples. Si vous voyez une on essaye déjà de définir les mécanismes, c'est-à-dire... une fake news, et j'utilise le terme, donc vous avez bien compris, fausse nouvelle, canular, etc., doit d'abord agir sur l'émotion. C'est-à-dire, si vous recevez une photo, une vidéo ou une information, qu'elle vienne des réseaux sociaux ou dans votre boîte mail, qui est extraordinaire, si elle n'a pas été reprise par un média, ça n'est pas... que les journalistes font un blackout dans un grand complot mondial, ça veut dire simplement que ça n'est pas vérifié. Donc, si c'est extraordinaire, si ça n'est pas repris par d'autres, si on vous dit de la partager en masse avant que les censeurs la suppriment, si ça fait appel à votre émotion, à votre indignation, avant toute chose, c'est qu'on est déjà sur une suspicion de quelque chose de faux. Voilà. Donc là... vous vous arrêtez 5 minutes, on dépassionne le débat et vous vous posez la question pourquoi ça me bouleverse, pourquoi ça m'indigne, pourquoi ça me donne envie de casser mon écran d'ordinateur. Et ensuite... Mais ça prend beaucoup de temps quand même, c'est chronophage, parce qu'avec la masse d'informations de ce genre qui nous parviennent à travers tous les réseaux sociaux, là on peut y passer des journées entières finalement. Alors on peut passer des journées entières à expliquer, mais quand on reçoit une information ou quand on la partage, ça prend un dixième de seconde. Et le réflexe qu'on a, une fois qu'on se conditionne pour se dire « Oula, oui, oui, il y a un truc choquant, bon, voyons ce qu'il en est. » Et après, les choses apparaissent très vite. Hein. Je ne parle pas d'aller voir la météo qu'il y avait dans ce village du Nigeria ce jour-là, ce que font les fact-checkers aujourd'hui, pour voir si effectivement on est bien sur la bonne journée, la bonne inclinaison du soleil, pour voir si ça a bien été pris dans le bon pays. Je vous dis simplement que 90% des infos virales peuvent être débusquées facilement. Et par vous, toutes et tous. 90%. Vous voyez une photo avec des migrants qui sont assis sur des tombes. C'est une photo que j'ai vue qui est passée, etc. Vous vous rendez compte assez rapidement que cette photo n'a pas été prise en France. Pourquoi ? Parce que la boîte aux lettres qui est en arrière-plan n'est pas une boîte aux lettres française. Parce que la tenue du policier... ou du garde champêtre qui est censé les amener, n'est pas française. Et ça se voit assez vite. Au moment il y a quelques années, en Algérie, il y avait eu deux, trois manifestations qui ont amené à la déstabilisation, enfin, en tout cas, des soulèvements populaires. Et on m'envoie une photo d'une fille brune en train d'embrasser un policier sur la bouche, mais protégée par un casque. Et on me dit, est-ce que ça a vraiment été pris en Algérie ? Je regarde, la forme du casque est à peu près pareille. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas super spécialisé dans les casques des policiers. Je me rappelais juste qu'ils étaient bleus. Et donc, je me dis, est-ce que c'est le même bleu ? Donc, je vais sur Google et je tape « casque policier algérien ». Et ce n'est pas le même bleu. Donc, après, je regarde et je tape « casque policier suédois »,« casque policier italien ». Et effectivement, c'était des casques de policiers italiens. La photo avait été prise 3 ans avant par une activiste féministe. Voilà. Et on voit assez rapidement...
ce genre de choses. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette lutte? On n'a pas encore tout découvert, je présume qu'il y a plein de choses encore à faire, tant en termes d'investigation que de méthodes de recoupement d'informations. Où est-ce que vous en êtes? Et est-ce que, je dirais en question, en termes de benchmark, est-ce qu'on est unis en Europe au niveau de ce travail, ou certaines écoles dans certains pays ont des méthodes un peu différentes? Alors, il y a plusieurs regroupements. On a à peu près au départ tous un peu nos cuisines, etc. Donc, comme vous l'avez dit, je fais partie d'un réseau européen d'écoles de journalisme. Il n'y a pas de standard commun, finalement. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de standard commun. Il y a des initiatives de rédaction qui s'unissent, comme First Draft News, par exemple, que vous connaissez, j'imagine, qui s'unissent dans le cadre d'élections ou qui aident les rédactions à développer leur méthodologie de fact-checking et qui ont donc donné différentes indications pour vérifier les informations. Nous, dans le cadre de l'ESJTAL, donc la European Journalism Training Association, qui regroupe environ 70 départements et écoles de journalisme dans toute l'Europe, pas juste l'Union européenne, hein, vu qu'on a des Anglais et on a des Russes, de comment pouvons-nous mettre en place, dans toutes les écoles qui le souhaitent, un cursus de vérification de l'information et de détection des fausses nouvelles. Parce que quand on part de rien, ça n'est pas facile. Donc c'est un réseau d'entraide. Et on a mis en place, il y a 3 ans, un projet qui s'appelle youcheck.eu, eucheck.eu, dont la partie visible de l'iceberg est un site internet. Donc en France, il s'appelle youcheck.fr et youcheck.eu, dans lequel les écoles de ce réseau vérifient des informations qui ont trait aux élections européennes et à la vie de l'Europe, parce que ça continue. Et tout est charté selon une même méthode, parce que la partie immergée de l'iceberg, c'est que nous avons développé, avec environ une vingtaine d'écoles européennes, le même programme de vérification de l'information, qui est donc enseigné aujourd'hui à IPJ Dauphine, en partant du même principe, c'est-à-dire qu'on a développé notre propre algorithme, mais qui tient sur 3 feuilles A3, avec des arbres de décision qui vont permettre à n'importe qui, mais tout d'abord aux étudiants en journalisme, de quelle citation je choisis de vérifier, qui est l'auteur de la source, est-il fiable, quelle est son affiliation, etc., etc., avant ensuite d'avoir le processus en lui-même de fact-checking. Et à la fin, on évalue la fausse information ou la vraie information, enfin, on évalue l'information avec 5 critères, vrai, faux, partiellement vrai, partiellement faux, et invérifiable. Et parce que parfois, c'est tellement emmêlé que l'information n'est pas vérifiable. Nous n'avons pas les moyens de la vérifier certainement. Mais c'est ce qui donne les meilleures histoires. Parce que chaque étudiant, enfin chaque groupe d'étudiants qui travaille sur une question, va écrire un article qu'on appelle un article de fact-checking, donc qui est un article très sérieux, très droit, un petit peu comme une dépêche AFP, avec oui, non, parfois vrai, parfois faux, mais doit également écrire un deuxième article plus créatif, de méthodologie, qui doit expliquer comment on a fait. Et moi, je crois vraiment à ça, c'est-à-dire que d'expliquer comment le journaliste travaille, parce que ça permet de se dire « j'aurais pu faire la même chose », et ça permet aussi d'expliquer qui on a appelé, qui nous a eu au téléphone, qui a refusé de nous parler, dans quel rapport on a trouvé. Et l'idée, dans ce travail qui peut être un peu rébarbatif, c'est d'être le plus créatif possible. Donc mes élèves, l'année dernière, ont fait des vidéos extrêmement drôles pour expliquer pourquoi tel chiffre sur le pacte de Marrakech et l'invasion de 74 millions de migrants était une pure invention. Mais une invention qui a tellement été reprise qu'au bout d'un moment, on est obligé de se demander d'où vient ce chiffre. Eh bien, on a montré partout où nous étions allés chercher. Et la réponse est, il vient de nulle part. Enfin, si, il vient de l'imagination d'une conversation Facebook filmée entre deux personnes qui faisaient partie des Gilets jaunes. Ils sont partis... La grande nébuleuse, en fait. Exactement. Effectivement, qui mérite d'être investiguée. Alors, on voit bien, effectivement, le travail. On peut se renseigner sur le site IPJ Dauphine, c'est ça? Absolument. Si les étudiants qui sont ici souhaitent se renseigner. Et la méthodologie est en open source, c'est-à-dire que, voilà, on la donne à qui en veut et vous pouvez vous en servir.
Merci beaucoup, Éric Nahon, donc directeur de IPJ Dauphine. Alors, Vincent Giret, après la formation, bah, ça y est, on arrive dans les rédactions, on est journaliste, on écrit, on parle dans le micro, devant une caméra. France Info, en l'occurrence, et la lutte contre la désinformation, quid, comment ça marche ? Avant de répondre à votre question, il s'est dit beaucoup de choses là, ces dernières minutes. D'abord, une petite chose pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Les réseaux sociaux, c'est formidable. C'est aussi quelque chose de formidable. Vous les utilisez, vous voyez bien que c'est une projection de soi-même, c'est une capacité à partager, c'est beaucoup de plaisir, ça peut être de l'intelligence, ça peut être de la connaissance. Ça dépend vraiment de ce qu'on en fait, en fait. Hein. Voilà, chacun peut avoir un usage, ça peut produire le meilleur. Et dans certains pays, dans certains combats, ça a été aussi des outils d'émancipation politique. Il y a des tas de révoltes sociales et politiques qui sont nées et qu'on puisse développer indépendamment des régimes policiers ou autoritaires grâce à la présence des réseaux sociaux. Je pense aux révolutions arabes, par exemple. C'est pas toujours bien terminé, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y a un potentiel aussi d'émancipation, de liberté dans ces réseaux sociaux. Voilà, je voulais le dire parce qu'il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté du cheval, si je puis dire, et ne pas voir aussi ce que la technologie peut nous apporter à condition de savoir s'en servir. Quand on écoute les uns et les autres, là, on s'aperçoit en fait qu'il y a quatre types de réponses à la crise qu'on essaye d'expliquer, de vous raconter, de partager avec vous, parce qu'on n'a pas réponse à tout. Il y a une réponse, j'allais dire, qui est très américaine, dans le bon sens du terme, si j'ose dire. Ils ont la religion de l'innovation. Quand on vous discute avec des journalistes américains, ils vous disent l'intelligence artificielle, la blockchain, tout ça va nous aider demain à certifier l'information. La blockchain, pas vous faire un cours de blockchain parce que je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des systèmes fermés qui font qu'à un moment donné, vous pouvez certifier avec de la blockchain, par exemple, le carnet de notes d'un journaliste, une photo, une vidéo. Demain, c'est certainement des choses qui vont arriver aussi, qui vont nous donner des outils particuliers pour vérifier l'information. Ça, c'est le premier moyen. Le second moyen qu'on a vu avec différents interlocuteurs, aussi bien Guillaume Rotti que Nathalie Sonnac, c'est la régulation. Et d'autant plus en Europe, où on partage un certain nombre de valeurs démocratiques et du débat public. Bon, ben là, on a besoin de régulation. C'est balbutiant parce que tout ça est très nouveau. Le numérique, ça a à peine deux générations. Aucune technologie dans l'histoire de l'humanité s'est propagée aussi rapidement. C'est pour ça qu'on est démunis. C'est pour ça qu'on avance pas à pas. C'est pour ça qu'on a besoin de coopération avec les plateformes, qu'il n'y a pas de loi magique, que personne n'a trouvé la parade magique tout d'un coup. On expérimente, on cherche. Évidemment, on a toujours un temps de retard, c'est ça qui est frustrant aussi. Voilà, mais donc, la régulation, c'est un des outils très importants, et moi, je suis partisan des quatre moyens que je vais décrire là. C'est-à-dire qu'il faut jouer de tous les moyens, il faut faire feu de tout bois, si j'ose dire. Le troisième outil dans cette crise, c'est la formation, Éric en a très bien parlé, je pourrais y revenir aussi. La formation, elle concerne les journalistes, mais elle concerne chacun d'entre nous, comme je vous l'ai dit au début de cet échange. Et puis ensuite, il y a une réplique éditoriale. Voilà, je crois qu'aussi, il y a quelque chose de très important à faire au plan éditorial. On ne pratique pas le journalisme aujourd'hui dans cette société numérique telle que nous le pratiquions quand j'ai commencé ma carrière il y a une trentaine d'années quand même. Donc voilà, il y a des choses qui ont bougé. Je vais essayer d'en parler un peu concrètement, le plus concrètement possible, aussi avec modestie et humilité, parce que précisément... on n'a pas de science infuse, on cherche, on expérimente, on essaye un certain nombre de choses. On est dans une période où, dans un marché totalement dérégulé de l'information, on doit apprendre, nous aussi, à travailler dans cette société numérique, qui est en plus une société très défiante, comme on se l'est dit tout à l'heure. Mais vous avez mis en place des... Alors voilà, à France Info, vous le savez, c'est une radio, c'est un site, c'est une plateforme d'information, qui est d'ailleurs la première en France sur le mobile, donc elle est aussi très utilisée par les jeunes générations. Donc elle est faite en coopération avec Radio France et France Télévisions, nos cousins de France Télévisions. Et voilà, dans ce sens-là, nous sommes le premier média d'information global, avec de la radio, du numérique, une jeune chaîne de télévision, le Canal 27, qui est opérée par France Télévisions, mais sur laquelle nous faisons plus de 3 heures de programme par jour. Et tout ça pour vous dire que nous sommes un acteur important de l'information. Et que nous sommes en plus un média de service public. Donc le service public, ça nous oblige aussi pour un certain nombre de choses. France Info, dans sa ligne éditoriale, on a la réactivité, bien évidemment, d'une chaîne d'information en continu, mais on a l'impartialité. On a la capacité à parler au plus grand nombre. On a tout un tas de règles, de chartes, de valeurs
que nous devons mettre en pratique, que nous devons, qui sont notre identité éditoriale, qui sont ce pourquoi un public important nous accorde une confiance forte. Quand on rentre ensuite dans le détail de la rédaction, j'ai bien compris que c'était la question d'Emmanuel, on a fait plusieurs choses. Encore une fois, je le dis avec modestie, on ne dit pas qu'on est les meilleurs, les plus beaux, etc. Mais on a réfléchi à ces questions-là. Et il y a 4 ans, à une époque où ces sujets commençaient à effleurer fortement, ils n'étaient pas aussi prégnants qu'aujourd'hui, un peu plus de 4 ans même, France Info a créé une agence interne. Vous allez dire, mais dans une rédaction, une agence chargée de la vérification, de l'information, c'est un peu tautologique, c'est un peu une évidence. Oui, mais non, en fait. Parce que quand vous avez France Info, Radio France, il y a à peu près 180 journalistes. Il y a 17 personnes qui ne font que de la veille et de la vérification de l'information. Et qui s'appuient, bien évidemment, sur l'ensemble de la rédaction, les spécialistes, selon les thématiques, les spécialités, etc. Mais c'est un métier particulier. C'est du fact-checking, comme l'a raconté Eric, c'est la vérification des faits. Et cette agence a développé, il y a 4 ans même, le terme de certification de l'information. Ça veut dire qu'on s'aide aussi d'intelligence artificielle, on s'aide aussi d'un certain nombre d'outils pour aller chercher, débusquer l'information, la vérifier. On a des outils de vérification de l'image aussi, comme tout à fait Eric le racontait dans le cas de la vidéo, où on voit bien qu'il y a des vidéos qui vont être utilisées, être vendues comme celles d'hier dans tel pays, puis en fait pas du tout, ça a déjà plusieurs mois, plusieurs années, et ça n'a pas été pris dans le pays en question, mais dans un autre. Bref, tout un tas de méthodes pour vérifier un certain nombre de choses. À France Info, dans cette agence, on a écrit tout ça. Par exemple, il n'y a pas de conditionnel sur l'antenne de France Info, sur les antennes de France Info. C'est exigeant, pas de conditionnel. Parce que vous ne pouvez pas dire serait, pourrait, voilà, il n'y a pas de peut-être. C'est vrai ou c'est pas vrai. Vincent, si on n'a pas l'information... Je vais être provoque. Il y a une question de la salle très précise. On va l'évacuer tout de suite, comme ça, allez, ce sera très fait. Bien. Dupont de Ligonnès. Dupont de Ligonnès. Là, on est au cœur du c'est une du très sujet. Bonne question. Alors, je la pose. Hein. Comment les médias de référence peuvent-ils se tromper à ce point, malgré les garde-fous, formation, recul et esprit critique, vérification des sources? Là, on est au cœur du problème. En tout cas, c'est un des problèmes. Quand une chaîne d'information, comme je viens de la décrire, avec ses valeurs, ses règles, cette charte, quand vous donnez et que vous développez pendant plusieurs heures une information qui va se révéler fausse, qui est fausse, c'est un cauchemar absolu. C'est infernal. C'est insupportable. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là ? Je suis venu, moi je considère que j'ai des comptes à rendre, à vous rendre, à rendre aux auditeurs, aux internautes. Je suis venu sur l'antenne de France Info dès le matin, le dimanche, répondre à la médiatrice, c'est-à-dire on reçoit des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de mails tous les mois, et nous répondons régulièrement à un certain nombre d'entre eux, soit directement aux gens qui l'ont adressé, soit à travers un dialogue avec la médiatrice. Là, bien évidemment, il fallait un rendez-vous exceptionnel, il fallait le faire tout de suite, à chaud. C'est un cas un peu particulier pour moi, pour la raison que je vais vous expliquer. Il faut reprendre la chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons ce qu'on appelle un push, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître sur votre téléphone une information qui est donnée par Le Parisien, par des gens tout à fait sérieux par ailleurs, aucune raison de douter du sérieux des gens du Parisien, qui donnent donc arrestation, pas au conditionnel, pas peut-être, pas non, qui donnent l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, après 8 ans de cavale. Donc de cavale, parce qu'on ne sait toujours pas si cette personne est vivante ou pas. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est donné comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand, bien évidemment, on ne reprend pas tout de suite. On ne reprend pas si nous n'avons pas confirmation. C'est notre règle. C'est la règle de l'agence de France Info. Pas de conditionnel, pas selon Le Parisien. Non, on ne donne pas. Parfois, on retient plusieurs heures, parfois plusieurs jours, parfois on ne donnera pas. Parce qu'on n'a pas nous-mêmes la vérification sur des sujets qui sont sensibles. Voilà. Là, il se trouve qu'on l'a eu très vite, la vérification. C'est aussi dingue que ça puisse paraître. Nous avons, pardon, c'est un peu long, mais si on veut répondre à la question, il faut expliquer le détail. Sinon, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et donc, le push du Parisien arrive. Nous avons encore, c'est vendredi, il est de mémoire 20h10. Nous avons encore sur place une équipe de service police-justice, donc des journalistes spécialisés. Il faut savoir que ces gens-là ne sont pas des amateurs. Hein. C'est des gens qui ont 15-20 ans de métier sur ces spécialités de police-justice et qui ont, par ce travail de fiabilité, de contact, etc., un carnet d'adresses, des gens qui leur parlent. Ils ne leur parlent pas la première année, la deuxième, etc. C'est un carnet qui s'est construit dans le temps, mais qui parle au plus haut niveau
de la police judiciaire, de la police nationale, d'un certain nombre de sources qui sont bien évidemment capitales pour faire ce métier. Et des sources dont vous avez éprouvé la confiance. C'est-à-dire que vous faites piéger une fois par une source, terminé, on a payé pour voir, si j'ose dire. Donc là, en l'occurrence, nos trois journalistes spécialisés, on en a plusieurs, il y a 6 personnes au service police-justice, mais là, il y en a 3 qui sont là ce soir-là et qui vont tout de suite travailler, chacun de leur côté, etc. On apprend leurs propres sources. Et en 20 minutes, nous avons confirmation par 3 sources au plus haut placé, en gros dans le top 3 de la police judiciaire, l'organisation centrale de la police judiciaire et de la police nationale. C'est pas, ces gens-là ne nous disent pas « peut-être, mais si, attendons la vérification de l'ADN, etc. » Ils nous disent « on l'a, ça y est, c'est bon. » Et on sent bien évidemment, les journalistes qui les ont, l'immense satisfaction de ces gens-là. Eux aussi, d'une certaine manière, on le comprendra plus tard, ont eu aussi envie d'y croire. Ils ne sont pas en train de nous mentir. Ils sont persuadés de ce qu'ils nous disent. C'est des gens tout à fait sérieux. Bon, et c'est là le drame, d'ailleurs, de cette histoire-là. Parce que, bien évidemment, vous dites, mais attendez, demain, si on a les mêmes sources qui nous garantissent une arrestation, quelque chose qui concerne un attentat ou quelque chose, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on reprenne de la même manière? Bon, et c'est toutes ces questions qu'on a eues dès le lundi matin, 2h30 de discussion, qui tenaient un peu de la thérapie, si je vous dis la vérité, avec la rédaction. Pour une rédaction qui est attachée à ses valeurs de service public, de médias d'information en continu, c'est un traumatisme total. C'est impensable qu'on ait pu donner pendant plusieurs heures et développer. Alors, je pourrais toujours vous dire, on a été plus prudent que d'autres, on n'a pas donné ça, on n'a pas donné ce que certains médias ont donné, le vol d'un passeport complètement bidon, la chirurgie esthétique complètement bidon, la vérification ADN dès le vendredi soir totalement bidon, etc., etc. Nous, on commence à bouger, on commence il y a plusieurs petites choses qui nous alertent. Il se trouve qu'on arrive à avoir l'adresse de la personne interpellée. Et donc, on envoie un reporter, et on arrive avec les gens d'Europe 1. Il y a France Info et Europe 1. On est seul à ce moment-là. Vous allez le voir ensuite, je suis sûr que vous l'avez vu, ce voisin, tout le monde l'a fait après, mais on est les seuls à ce moment-là. On est seul avec Europe 1. Et le voisin de du gars dit, non, franchement, c'est pas possible, c'est un gars que je connais depuis 30 ans. Voilà. Et vous sentez quand même à la force du témoignage qu'il y a quand même quelque chose qui est bizarre, quoi. Bon. Mais on ne le diffuse pas tout de suite sur reportage, parce qu'en fait, la personne qui fait ce reportage, le temps qu'elle monte, fasse son travail pour monter le sujet, il est tard le vendredi soir, et on va la prendre au téléphone à 23h30. Donc on n'a pas diffusé son sujet, mais elle raconte ce qu'elle a vu. Et déjà, ça allume un signal. Alors bien évidemment, on se méfie toujours des enquêtes de voisinage, parce que les gens n'y croient jamais. Vous ne croyez jamais que votre voisin a pu tuer sa fille, etc. C'est des choses qui ne sont même pas pensables. Donc on fait très attention aux enquêtes de voisinage. Mais là, il y a quand même quelque chose qui... Un truc qui... Bon. Cette journaliste monte son sujet, et on le passe dès 6h du matin, dès l'ouverture de l'antenne, le samedi matin. Et là, la personne qui tient l'antenne, qu'on appelle le fil rouge dans notre jargon, Matteo Maestrachi, qu'Éric connaît bien, va commencer à mettre de la distance. Ah, si c'est bien lui. Et puis on s'aperçoit à ce moment-là qu'entre 6h et 8h, toutes les sources policières qui nous ont répondu sont aux abonnés absents. Tiens, bizarre quand même, non? Le procureur de Nantes à qui on mettait des SMS toutes les 5 minutes finit par nous envoyer un message, un seul mot, prudence. Là, on se dit, bon, donc bien évidemment, on commence à dire... Et puis on apprend qu'une équipe de la police française est envoyée pour la vérification de l'ADN. Là, vous vous souvenez de cette histoire-là, on a dit, les empreintes digitales matchent, selon le terme policier. La difficulté, c'est que vous rendez compte, on a compris ça après. Ces sources au plus haut niveau de la police judiciaire et de la police nationale pointaient toutes sur la même source, un policier écossais. Bon, et donc, il y avait une fragilité du témoignage, d'autant plus forte que la vérification des empreintes digitales s'est faite sur une photocopie. Photocopie, c'est absolument pas un travail sérieux. Aucun flic sérieux ne vous dit qu'une vérification d'empreintes digitales se fait avec une photocopie. Vous voyez, ça, on a démonté ça ensuite. Alors, bien évidemment, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon parce que ça a été un traumatisme.
La nécessité de dire à chaque fois qu'il parle de sources policières. Mais vous voyez, on a discuté avec... Je vais m'arrêter là parce que je suis un peu long, mais c'est une affaire qui, bien évidemment, nous tient extrêmement à cœur et avec laquelle on a besoin, sur laquelle on a besoin de communiquer, y compris avec vous. Je crois, comme a dit Eric, on a besoin d'ouvrir nos rédactions, on a besoin de faire de la transparence, on a besoin de dialoguer. C'est fondamental. Bon, et voilà, on s'est rendu compte petit à petit. Alors, j'ai interrogé nos spécialistes du service police-justice. J'ai dit, mais est-ce qu'on aurait pu dire... selon un responsable haut placé de la police judiciaire. Il m'a dit, bah non, là, tu crames ma source. Tu peux pas le dire comme ça. Ah, d'accord. Donc, j'aurais dû dire ce qu'on a dit, en fait, de source policière. Oui, là, on peut le dire. Vous voyez, donc, on fait attention aussi aux sources, parce que le pacte avec certaines sources, c'est de ne pas les mettre en difficulté, c'est de garder des gens qui vous parlent off, qui vous font confiance, qui vont pouvoir, à un moment donné, vous dire, non, mais là-dessus, n'y va pas, parce que, bon, bah, dans ce cas-là, on fait confiance. Donc c'est une relation de confiance avec un certain nombre de sources, il n'y a pas que la police, hein, mais avec la police c'est bien évidemment extrêmement sensible, qui font qu'il y a cette qualité. Donc la nécessité de dire qui parle, la nécessité de... Il y a tout un tas de petits verrous, si vous voulez, sur lesquels on a retravaillé depuis. C'est des petites choses, parce que cette affaire-là, encore une fois, ce n'est pas une fake news, c'est pas une manipulation de l'information, ce sont des gens très haut placés, compétents, des professionnels, qui vont nous induire en erreur, parce qu'en fait, ils ont eu aussi eu envie d'y croire. Donc, même l'enquêteur chevronné de la police judiciaire, à un moment donné, il a envie de croire à cette histoire. Tout ça est une histoire aussi humaine. C'est la police qui nous plante. Mais on réfléchit aussi avec eux. Et on sait qu'ils ont eu envie d'y croire à cette histoire-là. Bon, c'était très important de prendre le temps de bien raconter, parce que tout ça, les coulisses... Vous avez compris que c'est une histoire qui... On ne les connaît pas. Mais ça montre bien, d'ailleurs, Vincent Giret, que la cellule dont vous parliez, enfin, l'agence a fait son travail, et en plus de cette agence, vous avez créé une cellule, c'est ça, de vérification encore plus poussée des infos. On a adossé à la cellule, on a adossé à l'agence, pardon, l'agence de vérification, de certification de l'information, une cellule en charge de la lutte contre la désinformation. Donc c'est une cellule de 6 personnes, à la fois des journalistes chevronnés et des journalistes qui ont de jeunes générations, qui ont tous les codes de la viralité dont on parlait tout à l'heure, et qui vont à la fois faire de la veille sur les réseaux sociaux et pouvoir à un moment donné identifier un certain nombre de choses sur lesquelles il faut réagir. Je vous donne un exemple. La difficulté en matière de fausses informations, c'est que si vous les reprenez, vous allez d'une certaine manière les amplifier. Vous dites, ah, mais un tel a dit ça, c'est complètement faux. Bon, donc à chaque fois, la question qu'on se pose, c'est comment on choisit l'information? Il n'y a qu'à se baisser pour en trouver des fausses informations. Sur quelle lumière? Bon, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien cette information-là va être partagée. Je vous donne un exemple. On a repéré à un moment donné, c'est Antoine Krempf qui pilote chez nous cette cellule de lutte contre la désinformation, que sur les réseaux sociaux, en 3 jours, avait été partagé, j'ai plus le chiffre, mais de mémoire, c'était plusieurs centaines de milliers de fois, l'information, un gars qui affirmait sur une vidéo que le vaccin contre la grippe favorisait la sclérose en plaques. Ce truc est un vieux truc qui traîne sur les réseaux sociaux. C'est bien évidemment une connerie absolue. Mais il y a, tel que c'est fait, ça sonne vrai. C'est complètement faux, c'est j'allais dire assez criminel même. Mais voilà, et bien ça, quand vous voyez que cette information-là a été partagée des centaines de milliers de fois, là, il y a une urgence à intervenir. Là, il y a une urgence à dire, on fait un format spécial. Et ce format spécial, c'est à la fois un format pour la radio, exposé à notre heure de prime, c'est-à-dire le plus grande écoute le matin, décliné éventuellement dans la journée, refaçonné pour en faire un objet vidéo puissant pour adapter aux réseaux sociaux. On allume un contre-feu. Donc voilà, ce travail-là d'identification d'une information qui est toxique, qui est vraiment toxique, et on fait notre boulot et on essaye de massifier le vrai, comme on dit dans notre jargon à nous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut massifier de façon à ce qu'elles soient partagées, qu'elles allument des contre-feux et que vous ne soyez pas, vous, pollués
par ce type d'information. Alors, on est vraiment là dans l'exemple même de la problématique de la qualité de l'information et de la crédibilité du média. Il y a plusieurs questions à ce sujet. Vous évoquez les journaux de qualité. Comment définissez-vous cette qualité des journaux? Et puis une question qui nous ramène à la régulation, qui est un point important, je voudrais qu'on y revienne. Quand on sait que les personnes qui croient le plus de fausses infos sont ceux qui ont une plus grande méfiance envers les médias, qu'est-ce que ces médias peuvent et doivent faire pour retrouver la confiance? Éric Nahon. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qu'un média de qualité? La première chose, je vais essayer d'être très très bref pour après laisser la parole à mes collègues. D'abord, c'est pas un média unique. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, bien s'informer, c'est comme bien manger, et il faut avoir un repas équilibré et piocher un petit peu à droite, à gauche, pour faire finalement son menu équilibré. Si vous considérez que Le Monde, c'est un repas traditionnel français avec entrée, plat, fromage, dessert, si vous le mangez tous les jours, vous allez gonfler. Et si vous considérez que 20 minutes, c'est certes un bon sandwich, mais ça reste un sandwich, si vous en mangez tous les jours, il va y avoir des problèmes. Donc essayez aussi de varier vos sources d'informations, écrit, radio, télé, de continuer à vous informer, et ensuite de vérifier aussi qu'on n'est pas dans l'infotainment, c'est-à-dire que non, Melty n'est pas une entreprise de presse, que Combini n'est pas une entreprise de presse, c'est une entreprise de divertissement qui veut également vous informer, mais qui n'a pas de charte, qui n'a pas de protection pour ses journalistes, dans lesquels il n'y a pas de journalistes, il n'y a que des fournisseurs de contenu. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'ils vont aller vers l'audience, c'est-à-dire qu'en ce moment, on fait des sujets sur l'environnement parce que ça marche, mais pas parce que c'est pas une représentation du vrai. Et on a un véritable problème avec tout ça, c'est qu'en plus, du côté des receveurs, donc vous, on est de plus en plus dans une ère de méfiance et de ce qu'on appelle la post-vérité. C'est-à-dire que les faits deviennent une opinion comme une autre. Donc je vais être extrêmement subtil pour vous expliquer ça. C'est grosso modo, qu'est-ce que j'en ai à fiche de tes photos de la Terre? Parce que de toute façon, je sais qu'elle est plate et je pense qu'elle est plate. Et que tes photos prises de l'espace, je n'y crois pas. Et là, quand vous êtes un média, vous vous demandez un peu ce que vous pouvez faire. C'est tout le boulot justement des journalistes qui essayent de rétablir et de faire en sorte que les faits redeviennent la vérité. Voilà. Après le... Nathalie Sonnac. Peut-être en deux mots, mais qui compléteront complètement ce que vient de dire Éric Nahon. Et clairement, c'est pour ça que je le rappelais en propos liminaire, c'est que la diversité et le pluralisme sont évidemment essentiels dans nos démocraties. Donc la capacité, la possibilité que chacun peut aller chercher son information là il le souhaite et diversifier ses sources d'information, c'est un premier point. Deuxième point, il me semble qu'un des facteurs essentiels de cette lutte, ou en tout cas de la façon dont aujourd'hui on évolue dans cette économie numérique ou dans cet univers numérique, c'est restaurer la confiance. Et pour restaurer la confiance, et notamment dans les médias, il est clair que la qualité, la transparence, cette capacité, comme vient de l'a fait à l'instant Vincent Géré, de nous expliquer qu'est-ce qui fait que ça a planté, et de se dire, bah oui, le journaliste aussi subtil, intelligent, qualifié qu'il soit, lui aussi peut se planter, c'est un point important. Peut-être de plus faire participer, il y a beaucoup d'écrits là-dessus, aujourd'hui participer les citoyens eux aussi. Je pense qu'il y a un troisième facteur qui, moi, me semble essentiel, c'est clairement la formation. Alors, c'est la professeure d'université que je suis, c'est évidemment la question de l'information, de la formation des journalistes, mais pas que. Je pense qu'il y a vraiment une éducation aux médias à faire. Une fois encore, au CSA, il y a plus d'une centaine de professeurs qui sont venus, beaucoup de... Les académies, les 30 académies de France sont très actives, notamment à travers les Clémies, qui font un excellent travail, un superbe travail. C'est la raison pour laquelle ce partage d'expériences, tant par le Clémie que le CSA peut avoir du fait de sa position d'observateur, de sa position de témoin, de sa position de transmission, d'intermédiaire, pour pouvoir en fait expliquer, expliciter et donner des outils. Peut-être juste un tout petit exemple, vous parliez de confiance dans les médias et ceux qui y croient le moins, ceux qui font le moins confiance. Il y a un point important, c'est que ceux qui partagent le plus les fake news, donc qui forward et qui re-forward les fake news, sont les personnes les plus âgées.
c'est assez intéressant, ce qui montre bien aussi que par moment, il faut bien distinguer de se dire, tiens, ça c'est une fake news, et le fait de la partager, eh ben, participe clairement de sa viralité. Donc, s'interroger un tout petit peu avant de cliquer sur le bouton pour justement avoir cette réaction de c'est vrai ou c'est pas vrai. Il faut éduquer toutes les générations, c'est ce que vous voulez dire. Il faut écouter toutes les générations, c'est extrêmement important. Bien. Alors, autre question qui se rapproche, là je me tourne peut-être vers Guillaume Rotti, on parlait tout à l'heure de la régulation. Donc, restaurer la confiance et la légitimité, oui, trois fois oui, dit cette personne. Pour autant, comment éviter de tomber dans la police de la pensée, douloureux souvenir à travers de si nombreux pays. Et est-ce que les réponses pénales, là c'est peut-être deux questions qui peuvent être posées simultanément, est-ce que les réponses pénales sont encore adaptées aux énormes enjeux de la manipulation de masse, comme ils sont apparus dans l'affaire Cambridge Analytica? Alors, Guillaume Rotti, peut-être, vous souhaitiez réagir à ce que disait tout à l'heure Vincent Giray? Non, je pense surtout ce que je voudrais souligner, c'est et qu'on n'a peut-être pas assez en tête dans ces débats, c'est à quel point c'est important d'avoir des journaux auxquels on peut se référer, auxquels on a confiance. Et en fait, je crois que l'un des nerfs de la guerre, c'est la confiance dans les journaux, parce que quand il y a plusieurs opinions ou quand il y a plusieurs faits qui sont présentés, il y en a plein aujourd'hui, et comme tout le monde est devenu un média, il y en a de plus en plus, avoir un arbitre, c'est quelque chose d'utile. C'est le fameux 10 000 manifestants pour la police et 100 000 pour les organisateurs. Ben, on ne sait pas combien il y en a, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse pas juste dire un tel ou un tel, mais qui puisse aller vérifier. Je crois que les Anglais qui disent si quelqu'un dit qu'il fait beau et que l'autre dit qu'il pleut, votre boulot de journaliste, ce n'est pas de dire les opinions des deux, mais d'aller dehors et de voir s'il pleut ou pas. En fait. Et ça, c'est vrai qu'on a vraiment besoin de ça, et c'est une des clés sur la lutte contre les fake news. Et c'est aussi pour ça que nous, l'un des axes qu'on veut pousser vis-à-vis des plateformes, c'est ce qu'on a appelé la contextualisation, ou le fait de donner plus de capacité aux consommateurs d'informations sur les plateformes, d'avoir accès à plusieurs sources d'informations. C'est-à-dire, vous allez avoir quelque chose qui arrive sur Facebook, il faut qu'il puisse vous proposer des choses d'autres médias ou d'autres opinions sur ce même sujet, et pas seulement des choses qui vous enferment dans une seule vision de pensée. Faites le test sur Google. Alors, je crois que depuis, ils ont arrêté, mais quand on tapait à une époque sur YouTube « La Terre est-elle plate ?», c'était incroyable les résultats qu'on avait. J'ai fait, alors je le fais plus parce que ça me déprime, le test sur Commission européenne, et pareil, c'est... Donc ça, c'est... Mais c'est ça vraiment... fait de beaux dossiers de presse, après, voilà, hein. Ça montre qu'il faut faire, qu'il y a encore beaucoup de travail pour nous. Mais, et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de faire en sorte que ces plateformes, et c'est ce qu'on essaye de faire avec elles, elles arrivent à donner des outils aux gens qui les utilisent pour contextualiser. Alors, sur la régulation, en tant que telle, comment ne pas tomber dans la police de la pensée? C'est l'une des principales raisons pour laquelle on saute pas à pieds joints en disant on va réguler les plateformes et ça va être facile et ça va être super. On a un exemple qui est assez parlant, qui est celui sur les contenus haineux en ligne, qui est quelque chose de plus facile à faire, puisqu'il y a une jurisprudence sur qu'est-ce que c'est qu'un contenu haineux, incitation à la haine et des choses comme ça. Et même ça, c'est déjà pas évident d'avoir une législation qui dit c'est tout blanc, c'est tout noir, et si vous diffusez ça, vous avez tort, si vous diffusez pas ça, il faut l'empêcher. Et on a aussi pas mal d'exemples où la régulation, ça peut vite se retourner contre nous. Nous, quand on a discuté avec les plateformes, à un moment, on a poussé quelque chose, une idée qu'on ne trouvait pas mauvaise, de dire il faudrait empêcher un Suédois de payer pour une publicité politique en France, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un Suédois s'intéresse à la vie politique française. Et donc, on avait commencé à discuter de cette idée de qu'il n'y ait pas de publicité transfrontière quand elles sont en lien avec des élections. Facebook a dit « Ah, c'est une super idée, on va faire ça ». Et donc, en fait, ils ont empêché la Commission européenne de diffuser des clips d'appel au vote parce que, dans toute l'Europe, parce que ces clips venaient de Bruxelles, qui est le siège de la Commission. Et donc, on ne pouvait pas les pousser en France, en Allemagne, en Italie. On a dû discuter avec eux en disant bah, « Quand même, c'est une élection européenne avec un enjeu européen. Donc, sur ce cas précis, ce serait bien qu'on puisse avoir de la publicité transfrontière ». C'est juste pour illustrer le fait que, dans ces sujets-là, le diable est dans les détails, c'est très compliqué, c'est très difficile d'avoir un grand principe qu'on va pouvoir appliquer de manière très simple et universelle. Et donc, la régulation, on va peut-être y venir, mais je pense que cette phase de pratique, de code de conduite, où on essaye d'avancer ensemble, en tout cas, nous apprend beaucoup de choses sur ce qu'il faudra faire ou ne faudra pas faire en tant que régulateur pour essayer de limiter la diffusion des fake news. Vincent Giray, vous êtes sur la même longueur d'onde ? Oui, tout à fait. Il faut quand même rappeler qu'il y a des choses qui sont déjà réglées par la loi et que ça fonctionne.
On ne peut pas dire n'importe quoi sur un réseau social. La propagation de la haine, l'antisémitisme, le racisme, l'apologie de la pédophilie, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont, Dieu merci, codifiées et qui font l'objet de poursuites. Voilà, on est dans un pays de liberté d'expression. Je sais si c'est important et s'il faut garder ça, défendre ça. Par tous les moyens, mais dans un cadre civilisé. On ne dit pas, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a le respect des personnes. Il y a une chose qui se développe, par exemple, très fortement en ce moment, c'est le harcèlement en ligne. Bon, ça, c'est quelque chose de très, très grave. Nous, on est en train de former nos journalistes aussi pour les protéger de ce harcèlement-là. Dès lors que vous avez une petite notoriété parce que vous passez à la radio ou à la télévision et que tout d'un coup, vous êtes pris à partie, voire harcelé, via les réseaux sociaux, il y a des manières de se protéger. D'ailleurs, ça concerne chacun d'entre nous. Hein. Ça peut nous arriver d'une manière ou d'une autre. On doit être capable de se protéger, de faire attention à son identité numérique, à la façon dont on existe sur les réseaux sociaux. Bon. Et ça, ce sont des choses importantes. Ensuite, juste un mot, pas de police de la pensée, bien évidemment, mais une éthique du débat public aussi. L'éthique du débat public, ça veut dire que on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Il y a le respect des faits, il peut y avoir du champ, il y a de l'opinion, le débat d'opinion, ça fait partie du débat démocratique. On n'aura pas la même idée de tel ou tel sujet, tant mieux, c'est important, c'est vivant, c'est fondamental. Il faut que chacun puisse se construire sa propre idée en écoutant tel acteur, un patron, un syndicat, des partis opposés qui peuvent être en conflit sur tel ou tel sujet, et chacun d'entre nous va se construire sa propre opinion, ça c'est important. On m'a posé un jour la question de savoir, mais tiens, est-ce que tu inviterais un climato-sceptique ? Et j'ai réfléchi un peu et j'ai dit, en inviter comme ça, non. Bien sûr, je vais traiter le sujet, mais pas de cette manière-là. Si, de la même manière, est-ce que je donnerais une tribune à un médecin qui, aujourd'hui, prend ses distances avec les vaccins ? Non, je ne lui donnerai pas de la parole comme ça, pas de cette manière-là. En revanche, oui, je peux envoyer un reporter, aller interviewer tel ou tel milieu politique ou association qui nie le réchauffement climatique ou qui condamne les vaccins. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Un travail d'un reporter, c'est un professionnel, il y a des règles journalistiques, il va mettre de la contextualisation, c'est un point aussi qu'a souligné Guillaume, qui me paraît extrêmement important dans le métier de journaliste. On dit qu'il parle, on ne propage pas n'importe quoi. Ça, c'est très, très important. C'est pas, vous vous souvenez de cette formule, 2 minutes pour les Juifs, 2 minutes pour Hitler. Bien sûr, vous allez dire c'est caricatural. Oui, mais enfin quand même, ça dit des choses assez précises. Et donc il y a des sujets sur lesquels on ne laisse pas dire n'importe quoi. Le débat public, oui, à 100%, la liberté d'opinion, c'est avec ça qu'on se construit sa propre personnalité et ses propres avis. On peut en changer d'ailleurs, ce qui est aussi une vraie liberté. Mais on fait attention aux règles et à la déontologie du débat public. Il nous reste 5 toutes petites minutes de petites questions. On l'évoquait tout à l'heure, peut-être Nathalie Sonnac, sur les réponses pénales. Est-ce qu'elles sont encore adaptées aux énormes enjeux de la manipulation de masse ? C'est très compliqué d'y répondre comme ça et je ne m'y lancerai pas, surtout en me laissant 2 minutes. Je pense que c'est essentiel, c'est qu'on ait un cadre. Et donc le cadre, c'est la réglementation. Ensuite, il faut qu'on puisse jouer dans ce cadre et donc c'est ce qu'on appelle la régulation. C'est-à-dire que véritablement être capable de s'adapter à chaque situation parce qu'on avance en marchant et on voit bien que le modèle économique et que le modèle de toutes ces plateformes, lui aussi, est en pleine évolution et qu'on est forcément après. Il y a quand même des règles dans lesquelles on s'entend de bien vivre et c'est la raison pour laquelle nous avons formulé des recommandations justement pour la lutte, pour cette loi de la lutte contre la manipulation de l'information. Il y a des éléments qui nous semblent indispensables et ce sont ceux qui fonctionnent depuis des années avec les médias dits traditionnels. Donc là, en l'occurrence, en les transposant dans le monde et l'univers numérique, c'est la mise en place, par exemple, d'un dispositif de signalement, c'est la transparence des algorithmes, c'est l'identité des personnes qui versent des rémunérations en contrepartie de la promotion. Ça, cet univers de transparence, de régulation et de réglementation me semble essentiel. Et pour revenir aussi sur un point de droit, c'est que effectivement la directive, une fois encore européenne, a fait une avancée, c'est-à-dire que, et ça reprend l'exemple et le propos de Guillaume Roty, c'est-à-dire que on s'est entendu à 27 à 28 autour de la table pour qu'il y ait des règles minimales sur lesquelles on est tous d'accord.
Et ces règles minimales sur lesquelles tout le monde s'entend autour de l'arabe, autour de la table en Europe, c'est tant le respect de la personne humaine, la lutte contre l'incitation à la haine et la violence contre les discriminations, c'est l'honnêteté de l'information et c'est le pluralisme d'opinion. Et ça, on s'est tous entendus. Ensuite, à chacun des pays, à chaque État membre, de se l'approprier et de voir ce qu'il peut faire en fonction de ses propres, de sa propre culture, si j'ose dire. Donc, effectivement, on avance en marchant, mais tant la réglementation que la régulation est indispensable. Évidemment, c'est extrêmement compliqué, mais ça a toujours été compliqué depuis que le temps est temps, si j'ose dire. C'est l'arbitrage entre, d'un côté, les libertés publiques et, d'autre côté, la censure. Et c'est et l'évolution et l'arrivée du numérique fait que rien n'est encore arrêté. C'est la raison pour laquelle il est important de continuer, de travailler, de coopérer, d'avancer et de ne pas formuler des grandes règles sur lesquelles on ne pourrait pas revenir ensuite. On voit que le travail est encore immense devant nous et en guise de conclusion, on peut dire qu'on voit l'impact finalement, l'impact social de la désinformation parce que tous les mouvements que l'on connaît à travers l'Europe aujourd'hui, en France il y a les Gilets jaunes, d'autres pays sont frappés par des crises politiques et sociales très profondes. Finalement, cette désinformation détruit un peu le lien social, non ? Oui, Guillaume Monti. Je pense que c'est un point important, parce qu'on n'a pas beaucoup donné d'exemples de désinformation, mais je crois que c'est aujourd'hui la première caractéristique de la désinformation, c'est quelque chose qui est, moi je résume, c'est quelque chose qui est fait pour vous rendre malheureux, pour vous dire, on vit dans un monde de merde. Anxiogène. C'est quelque chose qui fait peur, quelque chose qui vous fait douter, quelque chose qui va insinuer. Les institutions, on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Donc tous ces éléments-là, donc sur les vaccins, c'est quelque chose d'assez flagrant. On ne peut pas faire confiance à quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, parce que c'est compliqué, la science des vaccins. Il y a toujours anguille sous roche. Et c'est très proche des notions de théorie du complot. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit de campagnes de désinformation qui sont menées, c'est des choses qui sont de plus en plus locales. C'est beaucoup moins des grands mouvements pilotés par un État extérieur, mais c'est vraiment des petits groupes qui diffusent des informations pour mettre du doute et pour faire peur, en fait. Bien, merci à vous toutes et tous. Il est l'heure de nous séparer. Merci de votre attention. Merci. Merci pour toutes les questions qui ont été posées. Je n'ai malheureusement pas pu toutes les poser, vous vous imaginez bien. Merci infiniment et merci à notre panel passionnant. À très bientôt. C'est pas mal ce système de SMS pour les questions.